nobody gone to listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. Oh, girl. Girl. And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer. Let it be. For though we may be parted, there is still a chance that they will see. David Love, who says the facility is just a front to try to recruit vulnerable people, drug addicts, into Scientology. And he says many people get kicked out, and those are the ones whose staff can't indoctrinate. Here's how Yvonne Keller feels about the whole experience. Because I should have done better research. But it's a very hard place to be at. I really believe that they were going to be able to help me and help him. And so, Kathy, how is Narconon reacting to CBC's investigation? Well, the director of legal affairs there says he is a Scientologist, and they do use the teachings of Scientology to treat addicts there. But he says that's because Scientology is... Désespérés par leur sort, les toxicomanes et leurs familles sont des victimes parfaites. Certaines de ces sectes se sont d'ailleurs installées au Québec et recrutent activement les toxicomanes qui souhaitent s'en sortir. Et ici... Le pouvoir caché est d'autant plus insidieux qu'il est efficace, car ce que proposent ces cures de désintox à saveur sectaire, c'est tout simplement de remplacer une dépendance à la drogue par la dépendance à un gourou. C'est logique. Tant qu'à proposer une nouvelle vie de sobriété, pourquoi ne pas y aller d'une nouvelle religion en passant? Ça, l'Église de Scientologie l'a bien compris et a fondé Narconon. On sait très bien qu'une personne qui est en sevrage à froid vit une détresse intérieure absolument phénoménale. Et qui dit détresse, dit vulnérabilité. Donc, personnellement, je me demande si Narconon n'est pas simplement une porte ouverte pour recruter des gens, encore une fois, vulnérables, pour qu'ils deviennent membres d'une communauté, à savoir l'Église de Scientologie. On ne recrute pas des gens pour l'Église de Scientologie. On ne parle pas de l'Église de Scientologie. Et puis, c'est deux choses complètement différentes. Narconon puis l'Église de Scientologie, ça vient de la même place. Ça vient du même fondateur. Dire que Narconon, c'est une chose, puis l'Église de Scientologie, c'en est une autre, ça serait mentir. Avec le recul, l'effet négatif a été plus grand que je le pensais. Parce que ces doses massives de vitamines-là que j'ai pris pendant le parcours de purification et que j'ai continué à prendre après, comme il m'avait été indiqué par la personne en charge du parcours de purification, ont été très néfastes, comme je disais, parce que j'avais déjà une faiblesse au foie. Puis elle a de l'antithyroïde aussi, fait qu'il y avait continuellement des débalancements. Aujourd'hui, j'ai le cancer avec métastase, puis j'ai un pronostic de fin de vie. Je l'ai eu en même temps que le diagnostic.
pronostic de fin de vie. Il n'y avait rien à faire, pas de guérison possible, pas d'opération possible. Que je raconte de ce qui s'est passé peut en éclairer d'autres, ben, ce sera ça.